Alors, donc le kayak rentre dans la voiture avec le vélo. Je pose le vélo là-bas, le kayak m'attend, etc., etc., etc. Toute une épopée. Je vous expliquerai. Donc, me voilà arrivé à Saillant. Maintenant, je vais placer le vélo quelque part dans les taillis. Le kayak est dans la voiture. Maintenant, je vais placer le vélo un petit peu dans les broussailles. Et quand j'arriverai en kayak, je récupérerai mon vélo pour remonter à la voiture plus haut que récupérer ma voiture. Donc, je vais planquer le vélo par-ci, par-là. Donc voilà, c'est 12h39. 12h39, je viens de placer le vélo dans la savane, dans la jungle, derrière les taillis là. Et là, je pars en vélo, en voiture pour descendre à l'arrière avec mon kayak. Donc je vais me passer plus haut pour descendre jusqu'à là. Donc voilà, je vais rejoindre mon. J'ai laissé ma voiture et puis je vais rejoindre mon kayak. De la tête aux pieds, le gilet, le short à l'arrache. C'est parti. Donc pas très très grand, hein, à peu près 2 mètres, à peine.
J'ai investi. C'est supporter.
Voilà, maintenant j'enchaîne avec le vélo. Le vélo que j'ai planqué là-bas dedans. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à mettre mon vélo dans mon coffre et récupérer mon kayak dans la pampa là-bas, dans la brousse, et puis je rentre chez moi.